Hi everyone, we have a pair of Clark sandals here that we need to resole. On a une paire de sandales Clarks qu'on a besoin de ressembler. They presently have crepe soles. Crepe is like a gummy thing, it's a gummy rubber. Rarely used these days. Ils ont des semelles en crepe, ils sont rares, c'est assez rare de trouver aujourd'hui. So we have to remove the original soles. So il faudra enlever les semelles originales. On l'arrache autant que possible en un morceau pour pas avoir arraché des petits morceaux après. So we'll try to remove them as much as possible, one single piece, so we don't have to have extra work afterwards to remove small pieces. So it's coming off quite easily. So here we go. That's removed in a single piece. Alors j'ai enlevé un morceau complet, le crêpe, l'ancien. There was a felt, as you see here. Il y avait du feutre ici qui était mis au milieu, in the middle, because you have the leather edges and it makes a... it's not the same level. Donc c'est pas dans le même niveau ici. Au milieu, ils ont mis du feutre pour niveler au complet. So, in place of the felt, I cut out a piece of leather that I'm gonna stick like that in the middle. Alors j'ai coupé un morceau de cuir pour la niveler au complet. And we're gonna replace it with foam. This is a 6 millimeter. It's a rubbery foam. It's very lightweight. It's more or less durable. It's much more durable than foam, not as much as rubber, but it's in between. It's a good alternative. If you want the lightweight and comfortable to walk on. So before we do that, we're gonna have to glue the edges here. Il faudra mettre la colle dans les côtés. Et le caoutchouc que je vais mettre, c'est comme une forme caoutchoutée. C'est une bonne alternative du caoutchouc parce que c'est beaucoup plus léger. Ça ne dure pas aussi longtemps, mais c'est beaucoup plus léger pour les clients à marché. C'est plus confortable. Et on mentionne toujours aux clients que la vérité que ça dure pas aussi longtemps. On a toujours l'option pour le caoutchouc. We always mention it to the customers that it doesn't last as long as the rubber, but more comfortable. The customer decides between rubber or this foam, rubbery foam. So we put the edges. At the same time, we're gonna glue the leather in the middle. En même temps, on va coller le cuir au milieu. Il va être celui-là. Alors maintenant, on va la laisser sécher. Après qu'ils sont secs, c'est la colle contact. Alors après qu'ils sont secs, une vingtaine de minutes, je vais les retaper dessus avec le marteau. Après ça, on va sabler la surface parce que ça, c'est une surface en cuir. Le suède, je l'ai utilisé en dessous, c'est du suède. This is suede. This is leather. So I glued the suede part. J'ai collé la partie suède. Une fois qu'ils sont secs, je vais and once they are dry, I'm gonna sand it a little bit to make it suede. So the rubber that I put on top, the foam that I put on top will adhere, will stick very well. Alors, une fois qu'il est sec, je vais la sabler la surface pour que je puisse coller l'autre semelle par-dessus, ça va bien adhérer. So here's the result. Ça, c'est le résultat du collage, tout sablé. It's all sanded, it's ready to be glued. So, next step. Prochaine étape, ça sera de tailler. So we'll just trace the contour, making it always wider. So on fait toujours plus large que les semelles. So we can trim it afterwards and sand it. On pourrait le trimmer après puis faire la finition. A good handy X-Acto will cut this nicely. It's a soft rubber. Juste avec un X-Acto, ça coupe bien. C'est un caoutchouc très,
et facile à couper. So I sanded the surface as well on the rubber. Now we need to put some more contact cement. J'ai sablé les surfaces des caoutchoucs également, des semelles, pour que ce soit propre et adhésif. This one. On va les laisser sécher une quinzaine de minutes, les taper dessus. So we're gonna let this dry about 15 minutes. Then we're gonna install it, tap on it with the hammer. Les deux matières-là ensemble, ça colle très bien. Le caoutchouc foam avec le cuir suède, ça va adhérer, aucune chance que ça décolle avec le temps. Alright. Alors voilà. Sec et prêt à être installé. Voilà, ça a l'air de ça. Maintenant, on est prêt à découper les contours manuellement pour enlever le gros. Après ça, on sable sur le banc de finition. So this is the final result, c'est le résultat final. Looking good. So if you have any questions, si vous avez des questions, vous pouvez me le poster dans les commentaires. If you have any questions, you can just put them up in the comments and I will be glad to have answered them as best as I can, either with for pricing or for possibilities, ideas. It's always a pleasure to advice and help out you guys as needed.
And if you like the work that you see on this channel and in my shoe repair shop, you're welcome to go visit my Google business. It's called, as the name of the channel, Cordonnerie Seconde Vie, Second Vie. Vous pouvez aller faire des commentaires, vous trouvez-moi sur Google Affaires pour faire un commentaire. Et si vous aimez le service, vous pouvez m'encourager avec un commentaire ou un rating. You can also, if you like the what you see, you can comment and rate the Google business for to encourage my business. So until next time, have a great day, à la prochaine et bonne journée.